facile, on se retrouve pour le deuxième épisode de la carrière suivie. Alors c'est parti, donc là le champ vient a fini d'être semé. Donc là on va semer du colza. Donc tiens, je sais pas pourquoi il s'est arrêté lui. Le voyer était censé tourner. Bon, on va les relancer. Hop. Donc il a fini de déchemer le champ là. Enfin j'ai fini. Pour pas utiliser trop d'argent. Hop. Allez, c'est parti, mon père. Hop. Donc nous on va semer. Donc en fait je suis tout simplement bête parce que pour changer les cultures c'était vraiment simple. Alors regardez, c'est Y. Donc là j'ai mis du soja pour faire de l'argent. Voilà. Donc avec les bennes qu'on a vidées, on a 33 595 euros. Donc on est parti. Donc on va baisser ça. Donc au programme aujourd'hui on va semer, puis on va voir si on... On va voir dans les statistiques et on va voir ce qu'on pourrait s'acheter prochainement. On est parti. Donc c'est bien parce que ce semoir dedans, il y a de l'engrais en fait. Regardez. Je vais m'arrêter. Vous voyez? Là il y a l'engrais et là il y a les semences. Semences. Engrais, voilà. Donc du coup en même temps, il y a de l'engrais en même temps qu'on plante. Donc c'est cool. C'est tout cool. Oh, excusez-moi. Je joue au volant en même temps que je joue au clavier. Ça fait pas trop. Ah bon, puis on fera des fourrières. Hop, donc j'ai baissé le son du jeu cette fois-ci. J'ai pas oublié. Hop, j'espère que je vais pas faire trop d'oubli. Un peu dans la boue. Alors excusez moi si je suis un peu silencieux, mais bon, ça reste tout de même mes premières vidéos, du coup je sais pas toujours trop quoi dire. J'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous. En tout cas je vais essayer de faire en sorte pour que ce soit pas trop ennuyant. Donc voilà, l'ouvrière elle est là bas ok. Ça tourne. Donc j'ai rangé la batteuse et l'autre casillage. Donc je pense que l'autre casillage, on va le vendre. Parce que tout simplement, avec deux, je pense qu'on en a assez. Ça fait déjà trois tracteurs. Je pense que c'est assez. Ouais, surtout j'aime pas trop avoir deux fois le même. Ça fait trop... Je sais pas. Alors regardez combien ils font de chevaux, parce que je ne sais même pas. 145 chevaux, donc c'est bien semé en blé. Donc c'est déjà un beau tracteur, 55 chevaux. Et 125 chevaux. Donc c'est déjà des tracteurs de bonne puissance, on va dire. Donc je pense qu'on va pouvoir en vendre. Ensuite on verra pour s'acheter, pourquoi pas, un tracteur avec une fourche. Je pense que ça pourrait être utile. Si on commence les cochons et tout, après peut-être qu'on en aura besoin avec les bêtes. Donc voilà.
voyez, la batteuse elle est là-bas, rangée, bien au sec pour passer l'hiver. Après on va aller faire un tour de plaine aussi en pick-up. Ouais, je pense que je vais encore faire cette allée-là. Puis on va aller faire un tour en pick-up. Puis voir ce qu'on pourrait s'acheter. Donc je pense que cet épisode-là, il sera un peu plus court. Sera un peu plus court comparé à l'autre. Même si j'avais dit que l'autre, il était assez court. Mais enfin, je suis un mec qui se contredit tout le temps. Et vous allez le remarquer dans mes prochaines vidéos. Voilà. Ça, on va l'arrêter. Bon, bah lui, il aura fini. Normalement, on va recevoir un petit message. Voilà. Donc, j'ai... Ah, c'est pas... Donc, on monte dans le pick-up. Voilà. Donc. On va regarder la carte avant de partir. Donc vous pouvez voir que ça coûte. Donc on a vendu ça là, voilà. Donc c'est ça qui m'intéressait. Donc nous on a le champ 12, le champ 14 et ce champ-ci. Qui est le champ 13. Je suppose. J'espère. Vas-y barre-toi. Non, champ 15. Qui est champ 15. Donc on va aller... voir nos champs. Bah oui, le champ 13 il est là. En même temps c'est un peu mal foutu je trouve. Voilà. Donc on... Puis on va faire un petit peu... On va aller voir un petit peu. Voilà. Donc le champ 12 c'est celui-ci. Donc c'est celui qu'on a mis en blé. Voilà. Hop. Lui là-bas c'est un champ... On va peut-être faire du biogaz, tiens, pour faire beaucoup d'argent. On verra. Parce que le biogaz, mine de rien, ça rapporte, si vous vous souvenez du 15. Donc lui, il est déchaumé, il n'y a plus qu'à être semé. Voilà. Ou planté, mais il sera plutôt semé. Oh, les oublis. Non. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Celui-là, il... Donc celui-là, il y aura du soja. Peut-être que l'autre, on va bien mettre soja aussi, parce que... Ouais, à moins qu'on peut louer les véhicules, parce que maintenant on peut les louer. Donc par exemple, si je prends... On va prendre ensileuse. Bon, ça va être cher. Donc si on loue... Ouais, parce que du coup, là, on a ça. Louer. Ça coûte 4180. Mais on l'a pour combien de temps, du coup? Par jour. Ouais, donc du coup je sais pas combien de temps, c'est peut-être une journée, donc ça vaudrait peut-être le coup de prendre ça avec une benne. Bah notre benne on l'a, et speeder à fond. Ouais, ça ou ce genre, on verra bien, on verra bien. Voilà, donc ça c'était pour nos trois champs. Après les prés, je sais pas si on en a vraiment. Ouais, si on en a des prés, hein. Ouais, on verra. Ou pourquoi pas s'acheter un champ. On va aller voir. Il doit avoir une boutique sans doute pour acheter les champs. Danton Bakery. Peut-être là. Ah non, ça doit être la boulangerie ça. Ouais. Et oui, c'est l'anglais, ça sert. Hein. Donc on va voir un petit peu. On va... Ouais. On va faire un petit tour à la ville. Un petit tour à la ville, voir juste ouais. On va aller voir nos finances au magasin. Hop, y a personne. Donc là il y a du colza. Non, donc maintenant bah en fait c'est pas le magasin, c'est vrai, je suis bête. Je dis deux mois, vous trouverez pas. Donc on va regarder combien ça coûte à peu près un champ. Donc là c'est un grand champ, c'est le champ 23, donc de blé, ou d'orge, non? D'orge, oui, peut-être. On va regarder combien ça coûte à peu près pour avoir une idée. Pardon. Pardon. Donc toujours on peut faire des missions, d'accord.
Donc sinon il vaut 151 000 euros. Ah ouais, quand même, c'est vraiment cher. 151 000 euros, oui, c'est vrai. Et on peut faire des missions. Bah, on fera peut-être des missions, ça pourra... Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais. Donc on va bien voir ça. Par la suite des événements. Donc en tout cas, maintenant on sait ça. Donc on va retourner à la ferme. On va voir où est-ce qu'il en est arrivé, notre ouvrier. Ouais. Et on va voir pour s'acheter peut-être une charrue. Parce que du coup on aura des meilleurs rendements. Qui dit meilleur rendement, qui dit fric. Voilà. Il n'y a personne de toute façon, puis s'il y avait quelqu'un, c'est moi le prioritaire. Voilà. Donc lui il a fini, tant mieux. Ah oui non, c'est ça, on va acheter un karcher. Tu te levais, oui. Voilà. Donc lui on va aller le ranger. Et ensuite on va acheter un karcher. Voilà, on va le ranger là. De toute façon, il n'y a plus besoin de travailler. On a déchaumé tous nos champs. Donc on va voir tout de suite ce qu'il y a. Bon, voilà, on va se rendre en pick-up au magasin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on va faire ça, ça va être pas mal. Donc on va se rendre au magasin. Voilà. J'espère que les épisodes seront pas trop ennuyants pour vous. Bah dites-moi dans les commentaires de toute façon, c'est fait pour ça. Mettre le clignotant. Ouais, les commentaires c'est fait pour ça. Pour m'aider et tout. Et sûr, je préférais que ce soit des commentaires constructifs. Après faites comme vous pouvez. Hop, ouais. Ça doit être ici quelque part. C'est un peu plus loin, d'accord. On les trace les voitures. On les trace. Donc c'est une petite carrière suivie à ma façon, quoi. Ah, ça va être là. On va tourner. Non, de notre hauteur. Si je rentre pas, je fais comment moi? Ça va être là, voilà. On va se garer. What? Je rigole ou il y a quelqu'un qui a éternué? Ah, bien fait. Donc on va regarder. Voilà, donc c'est ça le magasin. Ok, donc le petit Karcher. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? C'est peut-être dans divers, peut-être, sans doute. On va regarder. Non, même pas. Où j'ai placé? Oui, bingo, bingo. Donc on va le mettre... Ah oui, d'accord. Ouf, ouf, ouf. On n'est pas arrivé, hein, les amis. On n'est pas arrivé. Non. On a pour des heures. On a pour des heures. Bah, ce qui doit être fait, doit être fait, hein. On va dire ça. Un peu plus vite. Ouais, non, on va faire ça. Je ferai ça hors caméra. Voilà. Parce que sinon, je sens bien qu'on va passer des heures, des heures, des heures et des heures. Donc, charrue. Donc, on a une Salford ou une Kun.
Donc celle-là c'est une 4 socs et celle-là aussi. Quelles sont les différences? 2 mètres, 2 mètres. De toute façon on va pas prendre celle-là parce que ça va être trop grand pour nous. Celle-là est quand même 2000 euros moins cher, mais après celle-là demande beaucoup moins. Celle-là c'est un peu une style à l'américaine. Celle-là était sur 15. On va essayer celle-là. Écoutez, parce que j'ai jamais essayé. Donc on va tester, hein. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on ne l'aurait pas avant? Ouais, ce serait peut-être plus judicieux. Je sais pas. Bah, on va louer. Comme ça, dans les prochains épisodes, on va moissonner. Ou alors pulvérisateur. On fera une mission dans le prochain épisode. Ensuite, on récoltera. Et on achètera la charrue pour tester tout ça. Ouais, ça peut être pas mal. Et du coup, pendant qu'on y est, les animaux. Ouais. Ouais. Ok. Donc du coup. Ah, j'aurais pu remonter. À la lettre. Voilà. Donc on va rentrer à la ferme. On va rentrer à la ferme et on va se laisser là-dessus. C'était un petit épisode, il s'est pas passé énormément de choses. Ah bon. Vous aurez vu. Ouais, on va peut-être encore semer un petit peu comme ça, vous aurez vu un peu plus le semoir parce que c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas utilisé beaucoup le semoir. Hein. Vous me direz. C'est pas pareil. C'est pas par là. Vous avez vu le pick-up? Voilà. Petit pick-up à l'américaine. Qui roule pas mal vite. Donc maintenant, on est renseigné pour les champs. Donc ouais, ce serait peut-être mieux d'acheter un champ. Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas un petit champ. On va regarder, on va se garer là. Où est-ce qu'il y a un petit champ? Le champ 19, il est petit. On pourrait se l'acheter. Ou champ 16 aussi. Ouais, on va regarder pour champ 19. Mes amis. Moi, on aura fait quelque chose. Alors, donc en plus, j'ai planté en patates. Ah ouais, par contre, il va falloir la récolter. Bah, au pire, on louera le matériel. Ça, c'est champ 19, oui. 46 000. Ouais, on n'a pas encore assez. C'est cher, hein, quand même, c'est cher. Ouais, on va faire ça la prochaine fois. On va faire des missions. Comme ça va nous rapporter pas mal d'argent. Ça va être plutôt pas mal. Ça va être pas mal. Voilà. Donc où est-ce qu'il en est notre... La vallée était finie, voilà. Donc on va se garer là. Hop. Voilà, on va switcher là parce qu'on a un peu moins quand même. Voilà, donc on va encore faire un aller-retour. Puis on va se laisser là-dessus les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Hop. C'est activé. On est parti. Bah du coup c'est bien là-dessus, c'est qu'on ne devrait pas s'acheter un épandeur engrais parce que... Il y a déjà de l'engrais dedans, donc du coup, peut-être qu'avec un épandeur en gros, on aura deux fois plus de rendement. On va quand même laisser comme ça, c'est pas mal. Je sais pas si le champ tout à l'heure était pulvérisé, mais en tout cas, il nous a rapporté pas mal. Disons, on a gagné, on est à 25 000, on arrive à 33 000. Du coup, on a gagné 8 000 euros. C'est toujours ça, ça se prend. Avec une mission, on gagne pas mal, pas mal. Voilà. Et au pire, ce qu'on fera, c'est qu'on s'achètera une tronçonneuse. On ira le couper en petit bois d'un mètre et on le mettra dans le pick-up. Et on pourra les vendre ça, ça ferait de l'argent aussi. Remarque. Ouais, on pourrait faire ça. Donc du coup, en gros, c'était une petite vidéo avec le programme des prochaines vidéos. Toutes les idées, voilà. Donc vous saurez à quoi vous attendre dans les prochaines vidéos. Donc voilà, donc c'était... Un vrai paysan pour sa deuxième épisode de sa carrière suivie. Bye bye tout le monde!